rien ne justifie les violences. Jamais. Et ceux qui, en ne les condamnant que du bout des lèvres, ou en tentant de leur donner une forme de justification, n'honorent ni la confiance de leurs électeurs, ni les institutions qu'ils ont juré de servir et protéger. Ça va commencer à suffire, les fins de non-recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il ne suffit pas de dire partout on veut le dialogue, mais on ne veut pas discuter par exemple des retraites. Ce n'est pas possible. Regardez ce qui se passe derrière nous. Comment vous voulez qu'on aille discuter si on ne peut pas parler des retraites dans cette période ?